On va continuer avec les différentes épreuves. On va passer sur du tarmac parce qu'on n'en a pas encore fait et on va pouvoir choisir notre véhicule. Alors, on a le choix entre les années 2000 ou les kit-car. On a 176 000 crédits, c'est pas mal. Des offres d'écurie, mais on peut quand même participer avec l'une de nos voitures. Donc, on va essayer de participer avec notre Mitsubishi Lancer pour avoir une course faite avec notre voiture, pour voir un petit peu ce que ça donne et surtout pour changer un petit peu avec ce que l'on a vu tout à l'heure depuis le début de la vidéo avec une voiture des années 90. On va essayer de varier un petit peu les plaisirs au niveau des voitures parce qu'il y a du choix dans ce jeu malgré tout. Donc tant qu'on a les moyens de varier les plaisirs sans trop se ruiner, on va continuer. Je pense qu'on investira dans une voiture peut-être des années 2000 pour le prochain épisode, ou en tout cas on verra ce qui nous sera proposé. Ici on part donc sur la partie tarmac de Dirt 4 avec le rallye d'Espagne, 3,34 km pour cette spéciale qui s'annonce très serrée avec notre Mitsubishi Evo 10. On est à Tarragone évidemment, l'endroit privilégié, et on doit terminer l'épreuve avec un minimum une 18e position et on va essayer de satisfaire les sponsors, le sponsor en tout cas Elonex. Regardez un petit peu à quoi ressemble ma voiture, je l'ai mise évidemment aux couleurs belges, ça aurait été dommage de choisir autre chose. Et avec quelques effets de couleur sur la peinture, je trouve qu'elle a particulièrement de la gueule, si vous me passez l'expression. Voiture japonaise oblige, volant à droite, le début de l'aventure sur tarmac. Allez, c'est parti. Et c'est terrible à quel point sur la partie asphalte de Dirt 4, on a beaucoup moins de sensations que sur le précédent opus. Alors on sait, on a déjà assez débattu sur le sujet, mais c'est quand même dommage parce que c'était une très très bonne sensation. Mon rallye préféré dans l'ancienne édition était le rallye d'Allemagne. Même si je le précise parce que je le vois arriver en commentaire, je sais très bien que Dirt 4 n'est pas la suite de Dirt Rally. Mais c'est vrai qu'on peut trouver une certaine déception dans le chef des joueurs du côté du mode simulation avec malheureusement un comportement un peu trop simple. En tout cas, assez prévisible. Alors, le piège dans ces routes, c'est évidemment les petites barrières sur le côté et les petites bordures ici qui peuvent rapidement vous faire crever ou casser une jante. Voiture assez longue ici. La Mitsubishi. Hop, il commence à faire un peu sombre. Le soleil est en train de se coucher. Et dans certaines sections de route, il fait bien sombre. Hop, failli la perdre. Le risque, évidemment, c'est la survitesse, hein, de se faire piéger. Et on va terminer. Voilà. La spéciale, en tout cas, pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Cette Mitsubishi, mais dommage, hein, ce comportement sur le tarmac. Et place à la deuxième spéciale. Donc, on va découvrir le tracé, la longueur et les conditions. C'est donc au petit matin, de nouveau, à 7h40. Décidément, on aime bien se faire lever tôt. Et 5 km 400 au programme. Pas mal de changements de niveau. Ça va beaucoup grimper. On voit pas mal d'épingles et de points névralgiques de la spéciale qui doivent être pris avec beaucoup de précautions avec les nombreuses épingles. Mais surtout, voilà, c'est de l'asphalte lisse et il fait sec. Donc, ça risque de glisser et on risque de s'en donner à cœur joie. On a hâte de voir ça. Allez, c'est un bon départ dans cette deuxième étape ici en Espagne. Au programme, une spéciale de 5 km donc, assez longue, la plus longue depuis le début de notre carrière. Il va falloir être
régulier, ne pas prendre trop de risques. Ah, les bordures sont là, les flancs des rochers aussi. Ouais, j'ai failli voler dans le ravin. Right 6. Left 6. And hairpin right. And left 3, 80. Allez, un petit peu de public, ça fait du bien. Ça manque de supporters, hein. Et de drapeaux en bord de piste. On sait que les supporters catalans, comme au football, sont très actifs lorsqu'une voiture de course passe près d'eux. Allez, petite sortie de piste. On a eu un petit peu chaud, je dois vous l'avouer. Left 3 over crest. Into right 6. Left 4 over crest, 80. Right 1. Into right 2. Oup là, proche de la bordure, on l'a touché, mais je pense pas qu'on ait causé de dégâts. Il y aura peut-être une jante sablée, mais au-delà de ça, c'est pas trop la catastrophe. On va bientôt arriver à mi-parcours, voilà. De cette spéciale, c'est chaud, hein, ça chauffe. Les épingles, très plaisantes à prendre. Placer le train avant de cette Mitsubishi au bon endroit. 30, left 4. On sent qu'on monte un petit peu en altitude. On évite de voler dans le ravin. Ce qui ne nous est pas encore arrivé dans cette carrière. On espère que ça arrivera le plus tard possible. Généralement, c'est quand on dit ça que ça se passe. Allez, on a un bon rythme. Perte de temps ici. Un petit peu sur le bas-côté. And left 4, 60. Six. Into right four long. Tightens. Into caution. Left four. Immediate right three over crest. Descended. Right one crest. Left two. Superbe. Superbes enchaînements. Six. Into open hip in right. Et le transpondeur. Eh bien, c'était sport. Ça allait très très vite. Fallait pas rater les enchaînements pour ne pas se faire piéger. Mais c'était une très très belle spéciale. J'espère que vous avez apprécié le replay et la vue TV, parce que sincèrement, à piloter, c'était très plaisant. Alors je pense qu'à suivre, ça devait être pas mal non plus. Attention, on passe aux choses sérieuses dans la troisième spéciale de ce Rallye d'Espagne avec, vous le voyez, 7 km au programme. C'est encore plus long que ce qu'on a eu juste avant. Mais bon, les conditions ont l'air plutôt bonnes. C'est partiellement nuageux, 10h du matin, ça promet. 5, 4, 3... 2, 1, go. Left 5. Oh, et nous sommes partis au rasoir par rapport au chrono magnifique. Left 3. And right 3. Superbe le départ. On a une bonne entame de spécial. La voiture a été réparée en passant par l'assistance avant cette troisième étape ici en Espagne. Alors malgré les conditions nuageuses annoncées, on se retrouve quand même avec une visibilité parfaite de la piste, avec des routes certes protégées par les arbres, mais jusque là, c'est plutôt plaisant. Allez, on termine le premier partiel de cette très très longue spéciale, donc plus de 7 km au programme. Allez, reviens. Allez, elle était un peu large, on l'a corrigée tout de suite. Sans perdre trop de temps. Ça passe très très fort. Très très fort dans ces enchaînements. Long
Hop, premier contact avec la barrière. Darmco, c'est pas trop grave. Épingle droite. On relance. Left 6 over crest, right 1 through dip, and left 4. Allez, attention! Il a failli avoir un gros survirage, je l'ai senti partir, j'ai pu la récupérer. And right 1, and right 2. Into left 1. Right 4. Into left 1, 80, right 4 for crest. Right 2. Ça chauffe, hein. Il fait très très chaud dans le studio et dans la voiture. Right 6, 100. On va essayer de garder la relance. J'essaie de pas trop repasser en première pour pas faire souffrir la boîte de vitesse. Right 6 over bump, 80. Left 5, over bump, 60. Épingle ouverte. Allez, en deuxième, l'épingle ouverte, ça passe. On garde un super rythme. Dans cette spéciale, on est passé au cap de la mi-parcours. Écart incroyable avec Rousseau, deuxième, complètement oublié. Right 6 over crest, 60. Right 6, into left 1 long. Open hairpin right. Ouh, ça chauffe, ça chauffe. Épingle droite. On la passe en deux. On garde assez de vitesse. Attention ici à ne pas mettre la roue dans les ornières. C'est magnifique ce paysage ici. Absolument superbe. On se serait cru peut-être un petit peu plus en Amérique du Sud qu'en Espagne. Hein. Avec ces superbes édifices en bord de route. Et c'est dans ces conditions qu'on peut regretter l'absence d'un rallye comme le Monte Carlo ou l'Allemagne. Allez, on passe. Oh, ça rame un petit peu de mon côté. J'espère que ça ira sur l'enregistrement. J'ai quelques ralentissements dans le village. On passe sur les pavés. Ça va, c'est passé. On quitte le village. Hop, attention. Oh, j'ai dû accélérer pour la tenir et ne pas l'avoir... chuter dans le ravin. Attention parce que des routes dont le dessin n'est plus celui du rythme d'avant le village. Faut essayer de ne pas se faire piéger et de continuer d'attaquer. On est bien proche de l'arrivée. Dernier partiel pour le moment. On est bien devant. On accroche bien au sol notre Mitsubishi. Droite 2. Allez, on continue, on est proche de l'arrivée, je ne désespère pas. Hop, contact, comme tout à l'heure sur les barrières, le 30 km/h, on l'oublie. Et on va franchir la ligne d'arrivée. Décidément, j'ai un problème avec les virages à gauche, mais ça, avec le volant à droite, c'est un petit peu plus compliqué. Et on en termine au Marshall. Eh bien, ouf, une longue spéciale, superbe rythme, mais on a été quand même quelques fois très très limite de se mettre dans le fossé. Heureusement, c'est bien passé. Place désormais à la quatrième et dernière étape de ce rallye d'Espagne, avec au programme 5 km de spéciale tout en montée avec du tarmac. Il est midi, il fait sec, bref, les conditions sont parfaitement idéales pour terminer cette épreuve que l'on devrait plus que probablement remporter, hein, vu le niveau de l'IA qui est absolument à la ramasse. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir cela. Et on va devoir augmenter encore une fois la difficulté. J'ai beau me répéter, à chaque fois ça ne suffit pas. Donc on va encore passer à un échelon supérieur lors de la prochaine épreuve. Mais pour l'heure, rendez-vous sur la ligne de départ. The marshal says there's been a crash on this stage earlier. Information importante de la part du commissaire et de notre copilote Nicky Grist. Il y a eu un crash plus tôt dans cette spéciale. C'est ce que l'on a entendu, on va donc sûrement croiser une voiture en difficulté à un certain point de l'épreuve. Et pour tout vous dire, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis, d'habitude sur des pistes autres que celles de ce rallye d'Espagne,
Je n'ai pas trop peur, il y a de la place pour passer en cas de voiture en bord de piste ici. Il va falloir être très vigilant de ne pas aller percuter cette voiture si celle-ci se retrouve arrêtée sur le bord de la spéciale. On va le découvrir, je pense, mais on restera attentif tout au long des 5 derniers kilomètres de ce rallye. On est parti pour l'instant sans trop de difficultés. J'essaie de garder quand même une oreille ouverte tout en vous parlant pour voir et entendre ce qui va se passer avec notre ami Nicky Grist. Superbe en tout cas, c'est un de mes rallyes où j'ai pris jusque-là le plus de plaisir sur le secteur tarmac. Hop là ! Allez, on glisse ! Superbe ! Épingle ouverte. Je guette en bord de piste le petit triangle qui indique qu'il y a une voiture en difficulté. Continue de passer dans ces enchaînements sans trop de problèmes pour le moment. Oh ! Eh bien, on est sorti ! On est sorti et on s'est fait une belle frayeur ! Heureusement qu'on a une avance considérable, sinon c'était terminé. Ouh là là ! Attention, parce que là, on est en train de perdre pied. Voiture en difficulté. On a un bruit dans la voiture, forcément, on a tapé très très fort. On a dû abîmer pas mal de carrosserie sur l'avant, vous devrez le voir au montage. Voilà, attention, voiture en difficulté. Ça a l'air d'être sorti, les commissaires sont sur le bord de la route. Ouais, et ça a tapé fort pour une Subaru. Une Subaru des années 2000 qui n'est pas dans notre catégorie. C'était l'autre catégorie, les 2000 cm cubes, les 2 litres. Et elle s'est encastrée dans le rail. Donc voilà, la difficulté semble passer. On peut désormais se concentrer sur ce qui se passe devant nous. Superbe le freinage et le transfert ici. Vraiment plaisant à piloter. J'espère que vous avez apprécié ce rallye d'Espagne autant que j'ai eu à le parcourir. Parce que les épreuves sont certes pas très rapide, si on peut dire. On se bat toujours entre la 2, la 3, parfois la 4. Mais bon sang que tout cela est technique. Et on le voit encore à l'instant avec un léger contact sur l'arrière de la voiture avec les glissières de sécurité. Vraiment un vrai challenge, ce rallye d'Espagne. Heureusement qu'on ne l'a pas parcouru d'ailleurs avec les voitures des années 2000. Ça aurait été à mon avis un petit peu du gâchis puisqu'ici, notre groupe N, enfin cette Mitsubishi, en tout cas, est en train de coller parfaitement au tarmac. Elle glisse, on sent le grip tout au bout de l'épreuve. La victoire donc de ce rallye d'Espagne. Et une grosse frayeur hein, au milieu de la spéciale. That went really well. Great stage, good work. Et donc à l'issue des 4 spéciales de ce rallye d'Espagne, nous nous imposons avec le petit bonus. Alors attention parce que là on va perdre beaucoup de plumes. Ah, on en gagne quand même 70 000 de crédit, c'est pas mal. On passe au niveau 14. Et bien pour le prochain épisode, on n'ira pas en rallye, on ira découvrir ensemble le Land Rush dans cette carrière Dirt 4. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se donne rendez-vous très vite pour la suite et de nouvelles aventures. D'ici là les amis, et bon amusement en piste et à la prochaine. Salut !